On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Il gauche. Croctop, tu vois ta meuf, elle est en t-shirt, tu vas te dire, il y a plus de chances que tu dises ma meuf, elle est bonne si jamais elle est en croctop que si jamais elle est en t-shirt. En fait, oui, mais tu peux le faire sans y penser aussi, tu vois. Et ça, tu le prends pas en compte. Non, mais c'est pas ça que je dis. Ah, essaie pas de me faire passer. Non, et Elias, t'es en train de me faire passer pour quoi là? Mais quoi? Mais t'es sérieux ou quoi? T'es en train de. Non, arrête, attention. Il a fait la technique. Il est en train de dire que limite que je suis un agresseur là. Arrête, hein. J'ai pas dit ça. Quoi hein. Mais quoi? Non. Je dis pas. Attention, hein. Attention. Thomas, t'es un agresseur sexuel. Mais non, mais frère, arrête. Non, mais tu vois un décolleté, Thomas. Oui. Tu peux mettre un décolleté pour plaire. Oui. Tout comme tu peux traîner chez toi en décolleté sans vouloir plaire. Mais j'ai pas dit l'inverse, fils de pute. Oui, mais moi, chez Weshden, je ne ressens pas l'envie. Non. Mineur. Et alors? Aucun rapport. Laisse-le finir sans phrase. Chez Weshden, par exemple, si Weshden poste une photo, je vais pas me dire, ah tiens, elle essaie de plaire en mode bonne, je vais juste me dire, ah ok, tu vois. Oui, je suis d'accord. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on parlait de ça à la base. Alerte mineur. Non, fait que je te jure, le débat. On a rien dit de... Le débat, il est vraiment sain là. Depuis tout à l'heure, on a vraiment un débat sur Weshden qui est vraiment sain. Ça, j'ai senti aucune. Avant que t'arrives là, j'avais senti aucun malaise et tout. FBI, y'a pas l'op. Non, écoute, moi je suis d'accord. Maintenant, je vous dis juste ce qu'il faut retenir de cette conversation, c'est que préparez-vous parce que Weshden elle va tout niquer et vous allez l'avoir dans les oreilles. Pas vrai les mecs, sur la vie de ma mère une histoire vraie, sur la vie de ma mère. En gros, ma mère elle avait mis un mot de passe sur mon ordi que seule elle avait, tu vois. Et j'avais le droit de lui demander le mot de passe pareil que le week-end, tu vois. Du coup, vendredi soir, pareil, maman, mets-moi le mot de passe sur l'ordi, tu vois. Du coup, elle vient devant mon PC et moi, je me tourne, je regarde le mur. Sauf que j'avais pris mon téléphone, voilà, comme dans les films. J'avais pris mon téléphone, caméra vers le bas, je le pose au-dessus de l'étagère, tu vois. Et Zama, le téléphone, il filme ses mains sur le clavier, t'as vu. Et moi, je regarde la vidéo et je n'y arrive pas. Je regarde la vidéo, je n'arrive pas à décrypter parce que c'était en trop mauvaise qualité, c'était un vieux téléphone. C'était un Samsung Express Music. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais sur YouTube, je poste la vidéo, et puis je vais sur jeuxvideo.com et je poste le lien, tu vois. Et je dis, les mecs, je vous en supplie, aidez-moi à reconnaître le mot de passe, la vidéo est en trop mauvaise qualité, tu vois. Aidez-moi, pitié. Et 3 jours plus tard, ma mère, elle rentre dans ma chambre et elle me tabasse, tu vois. Et moi, je comprends pas pourquoi elle me tabasse. Elle me dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Et elle me montre la vidéo, tu vois. Et en fait, j'avais, je crois, 4-5 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et elle était déjà abonnée parce que j'avais fait une vidéo avec ma cousine. C'est-à-dire, ma daronne, elle était sur YouTube. Elle voit une vidéo, elle clique et elle reconnaît sa bague, wesh. Est-ce que je peux vous la trouver ou pas? Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Tiens l'ampère, cette pute. Hop là. Je troll des charrons en me faisant passer pour une début, du coup, fille. Fait comme ça, vite. Ok, bon, ça c'est GTA, mais ça va, c'est drôle. Ça part en ban, là. Hein. Attends, je crois. Ah, on va voir. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais dans une série? Allez, m'en bats les couilles. Oh, le RP, sérieux. Narwhal dick, tiens. Oh, le RP à Balti, frère. Tiens. Quoi? Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais dans une série? Allez, m'en bats les couilles. J'aurais mis la piquette, les gars. Oh, je l'aurais... Oh, en plus, je l'aurais... Oh, ce que je l'aurais mis, il est armé, hein. Il essaie de me cross, hein. Non, mais les free access, sérieux, quel plaisir. J'aurais mis la piquette. Tiens, je pourrais plus jamais faire des free access, j'ai trop l'aime. Mais y'a un problème de son là. KO, s'ils ont pris un coma, les gars, vous en pensez quoi, vous là? Y'a un problème de son là, non? Ouais, y'a un gros problème de son. Tech. Genre, je me suis fait agresser. XS. Ouais, ça va ou quoi? Ça va. Tu trolls ou pas? Non, voilà, je trolle pas. Raconte-moi toute l'histoire, s'il te plaît. Depuis le premier jour, raconte toute l'histoire. Pas la madaronne. Répète. J'ai pris le pépala madaronne. Ouais.
Et je vais me faire baiser le cul, celle qui a le tige. Ok, raconte toute l'histoire depuis le début. Pourquoi t'as pris le pari à ta daronne? Bah parce que je voulais me sub. Mais là tu t'es pas sub, t'as fait 100€ de don, mec. Oui, mais je t'ai demandé de me sub. Ok, donc t'as pris le pari à ta daronne. T'as fait combien d'euros de donation à peu près? Je sais plus. Et ensuite ta daronne elle a vu? Ouais. Et elle a litige? Ouais. Elle t'a prévenu qu'elle a litige ou pas? Non. Elle a juste litige comme ça? Ouais. Et là tu l'as appris aujourd'hui là? Ouais, devant ton stream. Comment t'as reconnu? De suite. Parce que c'est moi qui t'ai fait donc comme ça. Mais t'es mort, mec. Rigole pas. Mais t'es mort, mec. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Ça, t'as quoi comme télé dans le salon? Une LG, je crois. Tu l'aimes bien ou pas, la télé? Voilà, je l'adore. Bah, profite bien. Allez. Si tu veux, je peux travailler gratuitement. Oh putain! Non, moi je veux juste. La vérité, frérot. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu fais, gros? Ça va. Oh Dieu. Arrachez-vous. Tout le monde s'enfuit, on ramasse au sol. Netto, prends le réfé. J'ai envie de la remettre dans mon RP. Là, y'en a un, viens là. Y'en a un qui vient, s'il vous plaît, y'en a un. J'arrive, je suis là, t'inquiète. Je vais mettre dans mon RP. On laisse jamais personne. Parce que. Dommage. Avec le cul. Ça se passe si jamais tu me forces à vérifier et tout, à faire des trucs de fou, ça va très mal se passer. Non mais on va faire un jeu. Allez, porte tes couilles. Dis-moi qui a fait. Si personne te dénonce, c'est brigade en vélo pour tout le monde ce soir. Allez, je te promets, regarde, t'as ma parole qu'il va rien t'arriver de fou. Je veux juste savoir. Allez. C'est toi? Ouais, c'est moi. Comment tu t'appelles? Ali. Ali? Ouais. Ali comment? Bessif. Ali Bessif, ton matricule s'il te plaît? 78. 78, super, tu peux aller dans les rangs. Toi, je vais te garder à l'œil, toi. Vous voyez, messieurs, ce que je viens de faire 66, c'est une leçon de vie. Et ça, attendez, non. Et regardez comme quoi, l'honnêteté ça paye. Parce que si jamais il me l'avait pas dit, croyez-moi, que ça serait allé plus loin. Ouais, qu'est-ce que t'as le rouquin? Ah ouais, ça va, c'est de marrer les bites. Quoi? Ce serait pas assez bien, moi. Ouais. Eh bah, regarde, t'as accès. Il dit quoi, là? Il a demandé, ça coûte. Ok. Oh bah non, c'était vraiment pas le bon sens, ça. Laisse. Mais casse-toi! Mais ça vous fait rire, ça? Ça me fait pas rire, moi! Non! Il la touche, ma bite! Enfin, il touche pas ma bite, mais genre, il la touche, virgule, ma bite! Tu dis que t'es le patron et nous on
crois pas trop à la chicha sous ballon. Tu te pars pour ta gamito, tu racontes que des pipos. En bois tu bois trop, tu finis seul au télo. C'est un mytho, oh mytho. C'est qu'un mytho.